Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. L'équipe du Talent Show qui est venue là. Il y a Léo, il y a Jonathan et on a Achille, membre éminent du Talent Show, qui est venu là justement eh bien, pour nous faire kiffer parce qu'il a beaucoup de talent. Mais j'aimerais déjà vous donner la parole à vous, Léo et Jonathan, pour vous nous parler de votre concept, le Talent Show. Eh ben, le Talent Show, qu'est-ce que c'est? C'est un plateau d'artistes émergents. C'est très simple. D'accord. Il existe maintenant depuis 10 ans. Ouais. On a fêté en 2015 donc les 10 ans de ce concept avec plein d'étapes. Il y a eu un Talent Show humour où on a révélé des jeunes humoristes. Ouais. Il y a eu un concours qui a été remporté par Lenny Harvey en juillet. D'accord. Et plus récemment, le 29 novembre, une première soirée qui s'appelait Rire interdit aux moins de 16 ans. Ouais. Qui a été un véritable carton, alors que le contexte, on connaît tous. Le dimanche 29 novembre, ça a été une catastrophe entre l'attentat et la COP21. Ouais. Pourtant, la salle était complète. Et donc, du coup, on refait une nouvelle édition avec une troupe complète renouvelée le mardi 26 janvier. D'accord. Toujours au sein de la rampe à partir de 21h dans une salle de 300 places. Et on est là toujours pour s'éclater. Ah bah c'est bon. Léo, un petit mot à ajouter par rapport à ça. Non, on était super contents. Vraiment, on tient vraiment à le préciser parce que le talent show moins de 16 ans, c'était, on a eu vraiment tous les artistes qui étaient sur scène. On a vraiment remercié le public parce que tous les artistes qu'on prend sont des artistes qui se produisent actuellement sur Paris. C'est des gens qu'on peut tous retrouver, qui sont en plus choisis avec énormément de goût, ils sont tous extraordinaires, donc ils méritent tous d'être connus. Bref, quand vous sortez du talent show, tu peux remplir ton agenda en voyant des mecs mortels sur une semaine. Tu vois, tu te dis, voilà, lui, je vais aller le voir en spectacle. Ouais. Ils font chacun un morceau de leur spectacle. Il y a plein de filles différentes, tu vois, qui, voilà, qui vont aller voir plein de trucs. C'est super cool. Et vraiment, là, on a eu des gens comme Paul Serré, qui est actuellement dans une pièce avec Boudère et Waïd à l'Apollo Théâtre. Ouais. Qui est venu roder son one man show qu'il prépare et qui à la fin a vraiment tenu à remercier les spectateurs qui sont venus, qui n'ont pas eu peur et qui ont envie de rire et de rentrer encore dans les salles. D'accord. Et c'est vrai qu'eux, ils ont connu ça en ayant très peur parce que c'était juste à côté d'eux en plus quand ça s'est passé. Donc ils ont connu des vrais trous dans les spectacles. Et nous, on a réussi pour un dimanche soir à réunir tout ça et c'était, franchement, c'était mort. Et c'est hyper fort. Et les gens, moi, franchement, je tiens à vous féliciter puisque je suis allé voir Oda et Dako qui vous adorent. Qui m'a fait une promotion superbe. C'est réciproque. Ils m'ont fait les deux une promotion superbe du talent show. J'ai dit, on doit les recevoir. Il m'a dit, c'est le top du top. Et donc, je suis allé voir son spectacle et il n'y a rien de pire. Eux, leur spectacle, c'est au théâtre Le République. Ouais. Donc, en ce moment, il n'y a rien de pire. Et les salles sont quasi pleines. Ouais. Et donc, ça, c'est du bonheur. Donc, bravo à tous ceux qui se déplacent et qui continuent mais à faire juste ces humoristes. Par le rire, la résistance, il y a que ça. Et on a besoin de s'unir et rire. Et je crois qu'un artiste de talent, du coup, c'est Achille qui est là avec nous. Ouais. Quel rôle a-t-il dans le talent show avant qu'on lui laisse la parole? Achille, en fait, c'est un rappeur, mais aussi un improvisateur poète dont Léo m'a parlé. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a fait plusieurs millions de vues avec ses improvisations qu'il a fait, notamment aux côtés de Kenji. Il a fait un véritable buzz sur la toile. Mm-hmm. Et Léo me dit, John, il faudrait qu'on confie pour une fois la présentation du talent show à ce garçon. On lui a fait pleinement confiance. Ça a été un véritable succès et on lui a d'ores et déjà confirmé que le mardi 26 janvier, c'était lui qui a une nouvelle fois présenté la nouvelle édition de Rire moins de 16 ans. Donc, à vous de jouer avec lui. À partir d'un seul mot, il peut. C'est un homme avec une verve incroyable. Et d'ailleurs, comment il va, moi, Achille? Moi, je vais super bien. Ouais. En plus, je suis entouré de gens vachement beaux. Ah. Il y a des effets dans les deux sexes, donc c'est quand même vachement bien. Voilà. Et alors, cette présentation, t'as kiffé? Ouais, parce que déjà le contexte, on le connaissait, donc c'était pas forcément une tâche facile. Ouais. Et puis on avait carrément un gratin d'artistes incroyables. Ouais. En fait, on a même pas dit qu'on avait sur scène. Voilà, on avait quand même on avait Lenny Harvey, Charles Soignon, Inès Reg, Fadili Barbeton, Fadili Camara. Ouais. Donc il y avait du beau monde et il fallait dans ce contexte-là réussir donc déjà à les mettre en exergue et puis aussi à occuper les gens, leur redonner le sourire. Ouais. Parce que voilà, c'était aussi ça. On a tous envie de sourire. Bien sûr. C'est toujours, bien sûr. Et c'est fort et c'est là aussi, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Et d'ailleurs, Ali, toi, oui. T'aimes bien rire alors, t'aimes bien les humoristes. Tu vas un petit peu au théâtre, ça t'arrive? Théâtre, dernièrement, non. Bah, va falloir, jeune homme, là. Ali, ça y est, t'es sorti de la vous attend le 26 janvier, Ali, hein. Voilà, invitation 26 janvier si j'avais prochain. Le temps de faire tout ça avec plaisir. Mais non, dernièrement, non. Non, mais quand on aime, on ne compte pas, donc tu vas trouver le temps. Voilà, allez, c'est parti, je vais essayer de le trouver pour toi, alors. À un moment donné, voilà. Mais d'ailleurs, lui, ce qu'il veut, c'est le déclic.
si je te dis déclic. Le déclic ? Ouais. Le déclic est arrivé au moment où la belle équipe s'est fait rafler, parce que je ne peux pas concevoir que la belle équipe soit partie ainsi. Et ce déclic est rentré dans ma tête, et c'est pour ça qu'avec ma clique, je m'implique pour continuer à donner ce déclic qui fera que la plupart des gens vont pouvoir continuer à rigoler. Lorsque je regarde les gens autour de moi et je vois cette jeunesse qui n'a de cesse de me regarder, j'ai le déclic et j'ai l'envie de continuer à militer avec les mots et la verve, non pas avec la verge pour essayer de passer. Non, je n'ai pas envie de me faire dépasser. Je sais que je n'aurais pas dû parler ainsi parce que peut-être des moins de 18 ans sont à côté de moi, mais vous avez déjà compris, peut-être avec la majorité que vous avez trouvée dans les 15 ans dépassés, puisque vous avez cette majorité sexuelle, que le déclic est peut-être déjà arrivé. Ce déclic, je l'ai eu là parce que je me suis dit que Mouni était tellement belle qu'il fallait peut-être que je m'arrête là.